Normandie Matin. Tendance Ouest. L'éphéméride. Ce vendredi 3 avril, nous fêtons les Richards. C'est le 62e anniversaire d'Alec Baldwin, les 59 ans d'Eddie Murphy, les 48 ans de Jenny Garth qui jouait Kelly dans Beverly Hills, les 43 ans de l'humoriste et comédienne Blanche Gardin, les 41 ans du chanteur Grégoire et les 30 ans du rappeur Nekfeu. Dans l'univers, il y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. Il y a 47 ans, à New York, l'ingénieur américain Martin Cooper, cadre chez Motorola, passe un coup de fil sans fil avec le premier téléphone mobile qu'il a donc inventé. 25 cm de long, un poids d'un kilo, voici le dinosaure du téléphone portable. La révolution était en marche. L'idée d'un appel téléphonique a complètement été bouleversée. Avant, lorsqu'on appelait avec un téléphone, on appelait un endroit. Maintenant, on appelle une personne. Le 3 avril 1976 avait lieu la première cérémonie des Césars, appelée à l'époque la Nuit des Césars, sous la présidence de Jean Gabin. On va remettre les récompenses du cinéma français, les Césars. Comme il se doit, je déclare la cérémonie ouverte. Le 3 avril 2007, le TGV établit le record du monde de vitesse sur rail en atteignant 574 km sur la ligne à grande vitesse est européenne. À l'attention de tous, après contrôle et validation, la valeur officielle de la vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km/h. Enfin en 2010, c'est la sortie de l'iPad première génération, il y a tout juste 10 ans. C'est tactile, ça tient vraiment bien dans la main, c'est beaucoup plus clair. C'est plus facile à installer qu'un ordinateur, donc c'est vraiment un bel objet et c'est vraiment super pour redécouvrir Internet chez soi, à mon avis. Podcast by Tendance Ouest.